par l'ouest. L'idée, on va prendre tous les pick-up, on va suivre les points noirs qui partent sur l'ouest, passer sur le barrage, remonter la route, voire descendre peut-être plutôt dans le lit de rivière ici, et remonter jusqu'à Juliette. À Juliette, on débarque et on avancera. L'idée étant de prendre un point sur. Prendre position dans l'aéroport au niveau des hangars de Kilo et on verra s'il y a plus au sud. Peut-être cette entrée là, mais. Mystery, Yes. tu sais que sur Joliette, on sera en contrebas, hein, on verra rien. Je sais. Ok. Mais ça se tente. Si on voit que c'est pas possible, on y va à ce niveau-là, au niveau de la zone de l'aéroport, on remontera jusqu'à Victor. On se repositionnera pour après prendre l'assaut sur Sorcière et descendre sur le nord-ouest, sur Zargabad. Nord-est. Nord-ouest? Non, ah bah Victor c'est au nord-ouest là. Hop. Ok. Pour les véhicules, on serait parti comment? Alors, les véhicules, on a deux armées, trois non-armées. Alors, on va faire. Rouge, vous prenez un armée, vert pareil, bleu et jaune, vous prenez chacun un en armée, et avec le sniper et blanc, on va prendre le troisième. J'ai une Yes. question. Est-ce que le pick-up, parce que j'ai que 4 chargeurs en fait de PKM. T'as pas de place en plus? Et j'ai. Bon, en fait, j'ai de la place, mais juste pas assez pour mettre un chargeur. Du Normalement, je crois coup. qu'il y en Commandes à a ton dans les binôme, non? véhicules. Ben, mon binôme, il est full déjà. Au Il a pas pire, de sac non plus. il peut mettre des bandes dans le véhicule. Donc, Ouais, ouais, c'est on ce que a je fini le me posais la briefing, on se question. laissera 2-3 minutes pour vous charger les véhicules. Ok, merci. Ok, parfait. On va pouvoir prendre alors. Donc rouge, vous Panique. prendrez la tête du convoi, vert, celui bleu, jaune et blanc. On roule pépère, c'est pas la peine de foncer comme des tarés, on n'est pas pressé. On va essayer de couper par là au niveau des champs pour pas perdre 3 heures. Au niveau du barrage, dès que vous pouvez avoir un visuel devant, à l'arrière, vous vous arrêtez, vous regardez bien s'il n'y a personne. Ce serait con de croiser des Américains là-bas. Si personne en progresse, je suis con, on n'a même pas besoin de passer le barrage, on peut couper par là en fait. Ouais, oubliez, on va pas traverser le barrage. On bifurque direct et on remonte en suivant sur Juliette. Donc arrivé sur Juliette, je veux un. Alors, comment on fait une jolie flèche comme ça? En gros, je vous axe comme ça, à peu près par là. Tu parles des véhicules, hein? Ouais, vert pareil. Et les restes des troupes progressera soit au milieu, soit sur les côtés. On avisera en fonction de la zone. En espérant qu'on puisse faire monter les pick-up aussi, parce que je crois que c'est un peu raide. Enfin, rouge sur le flanc gauche et vert sur le flanc droit. Vous descendrez pas des véhicules, vous continuerez à avancer jusqu'à ce qu'on ait pris l'aéroport. Ça fera une couverture lourde au cas où on prend des balles. Voilà. Des questions? Ok, rouge et vert, vous avancez plein est pour dépasser la butte. Et d'écraser un copain. Vas-y, y'a personne devant. Ils ont même passé le grillage. Je vais vous mettre en bord de piste et vous allez couvrir les autres équipes qui vont avancer. Ok, c'est bon, nickel. Et à mon top, vous partirez, vous irez vous caler derrière le bâtiment qui est à gauche de la route là. En gros, c'est prêt à débarquer au niveau de la route pour allumer tout ce qui passe si besoin. Ok? Gauche de la route. J'ai entendu à Koum, Bah, je c'est t'entends le très petit très bâtiment faiblement. derrière le lampadaire. Le sniper, est-ce que tu veux que je monte Ok. dans la tour de contrôle? Ouais, discrètement si tu peux. Bien T'as pris. compris ce qu'il voulait, Boris? Non, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il y a un lampadaire avec un bâtiment en face de nous là-bas.
Ouais. À son top, il faudra aller se placer derrière le bâtiment là-bas. D'accord. Avec une visu ou sans visu? Je pense avec une visu, mais prêt à se mettre à couvert derrière le bâtiment. Ok. Mettre en travers, je pense. Ok, rouge et vert, on peut y aller. Blanc, on se retrouve aux autres véhicules. Chef, vous voyez le minaret le plus proche sur notre est? Qu'est-ce qu'il a ce minaret? Au pied, il y avait un humeur armé. Attendez, vert, il y a deux contacts sur la route là. Faites attention. De bleu, il y a deux contacts, centaines de mètres droit devant à l'est sur la route, à droite. De sniper, j'ai été blessé dans les escaliers, bug. Y a pas de dépensement de rechange. Pas que je sache. Bon ok, bah si je suis touché, si je suis touché, je m'en vais à démoraliser. Tant pis. Je t'entends là. Mais non, on te sauvera. On a les deux contacts à l'est sont alertés, hein. Ah. Nous avons bien vu, chef. On l'a regardé, nous avons vu. Ah bah, ah bah t'es là. Alors, regarde, 90, mitrailleuse fixe, ouais. Wow. Une mitrailleuse en tout cas. Ok. Tu vois l'idée? Wilco, est-ce que tu vois la mitrailleuse fixe qui est dans l'allée là? Oula. Négatif, par contre j'ai un visuel sur une patrouille de 8 dans la ville, apparemment ART. Ok, descends de la tour de contrôle du coup, viens te placer avec Froggy. De blanc stand-by. Oui. Allô, blanc sur moi, couvrez l'est du hangar là, il y a des trous dangereux. Je couvre le nord. Sandman, t'as une MG toi, très bien. Oui, ouais, j'ai une MG, ouais. Non, je peux nettoyer s'il faut. Enfin, on peut tenter de nettoyer. Et Wilco, ton objectif c'est d'abattre la MG fixe qui est le long de la route à droite là. Ok, je vais jeter déjà, patienter. Y a un mec juste derrière la MG. Mais la MG est plus dangereuse que le reste. Non, c'était juste pour que tu le saches. Parce que tu quand tu veux, je peux faire feu. Ok, alors dès que Wilco a fait feu, tous ceux qui sont à côté de la route, vous vous positionnez pour enlever tout ce qui arrivera. Blanc, vous essayez de débarquer au niveau du mur pour avoir un meilleur visuel sur l'est. Et on arrose tout ce qui passe. Ça tire là. Wilco, feu. Je me sens tiré bien de chaque côté du mur. Des impacts qui tapaient sur ma tête là. J'ai entendu, ouais. Mais touche pas, oui, pour... Ok, on débarque. Enfin, on se positionne. Vas-y, mets-toi sur la route. Ouais, vers avancer. Le mec, au milieu de la route. C'est bon, nickel. Alors, mec, plus à droite, hein. Plus à droite dans le bâtiment. Je tire dessus. Ça bouge à gauche de la route. Feu à volonté, surtout si, surtout de notre objectif visible. Un bête plus haut. Boum. Tu en charges? Non, il y en a un autre là. Il est down. Ouais. Et rouge, déplacez votre MV à l'est du bâtiment du hangar. Ça court au fond, ouais, derrière l'arbre là où t'as tiré. Y'a des mecs qui progressent vers nous. Un peu plus haut. Y'a un bon chargement. C'est bon. Avance encore un peu. Juste devant. Bien eu. Y'a toujours un au fond. Plus haut. Voilà, t'es à la bonne hauteur.
vie armée au niveau du minerai. Dans la route. Il est plus à gauche. Il y a deux à droite et un à gauche. Ok, t'as eu celui de gauche. Oh, je vais pas tarder à recharger là. Recharge là. Non, attention, il y a un contact de l'autre côté du compound là. C'est bon. En bas du pylône. Attention, je fais feu au dragon pour tuer l'ennemi. Il bouge pas, il y en a un à droite derrière l'espèce de casemate là. C'est où ? De marché. Je suis de l'autre côté du couloir en fait. Pour lui toucher. Et ceux qui sont touchés vous repliez, je vais pas gaspiller toutes mes cartouches à 600 mètres par contre là. Il y en a encore un à droite là, il s'est mis derrière le pylône. Un vie armé à côté de la mosquée en direction de nous. Au niveau d'Hector pour l'instant. Pas de la route, hein. Très près de nous. Bon, je replie vous, prenez des balles là. Touché, je recule. Ok. Ça va ? C'est torse. Je me pense. Ok, ça marche. Blanc, vous avez pu prendre position dans le compound ? Une roue endommagée. Une roue endommagée, hein. Ouais, j'ai vu, ouais. De toute façon, à mon avis, après il y aura plus de munitions donc on va le laisser sur place. De blanc affirmatif, on est en train de le clean pour l'instant. RS, individu signalé. Oui, c'est trop une position de défilement. Rouge, situation. Rouge, on a été traité par gros calibre. Pneu endommagé, pas de blessé. Ok, laissez votre véhicule, retrouvez-moi sur Kilo. Ok, ça mieux, je ramasse. Ouais. Ok, on arrive. Ok, stop. Un milieu au fond. Merde, on recule. C'est bon. C'est bon pour le MJ, j'ai le tireur. De rouge, oui. On a des contacts. Ouh. Sur l'aéroport, je pense. À 10 minutes. Il y en a un à gauche de la route, à mi-distance. Je sais pas. Tu le vois pas ? Non. De rouge, pardon, c'était Nia. Et il s'est replanqué. Ouais, on reste comme ça, c'est bien. Et ça court là, stop first. Joli. J'en ai vu un autre bouger derrière, près du feu. Ouais, ça fait loin. Il y a 4 ou 5 près du feu. Je préfère les garder pour la rue. Ce que je vais faire, c'est que. Il y a pas de portière d'aucun des deux côtés donc. Ah ouais, t'es exposé là. Ouais, je suis super exposé en fait. Si tu veux descendre, ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais quand même faire un demi-tour, ce sera peut-être un peu plus. Un peu plus risqué pour eux, enfin un peu plus compliqué pour eux. Et on va voir ce qu'ils déplacent sur l'est de Kilo, sud-est. Premier compound clear. Ok, tenez la position, notre avant-poste pour l'instant. De vert. C'est good. Encore 50 cartouches de 12-7. Ok, ça fait beaucoup. Bah du coup, on videra le reste là et après on laissera le véhicule. Weldrid, est-ce que t'as chargé un missile de dragon dans les VMD ? Négatif. Rouge, il y a un missile de dragon dans le MD armé. Et merci. J'arrive de gauche en direction du feu. Derrière le feu. Ça fait loin. Ouais.
En plus avec le feu je suis ébloui, je vois pas super bien maintenant. Tout à l'heure je voyais bien mais là... Bon. Ah ben voilà. Contact en 140 de blanc. Ah, faire volonté sur tout ce que vous voyez. Oui. Je l'ai eu ? Ouais je crois, ouais. Ah, du sniper à la MG c'est bon, hein. Tu t'es traité au bon. La classe. Rouge, vous avez pu vous mettre en place ? Rouge, ouais, on est sur le hangar, on est traité. Bien reçu. Bah, pour info, contact sur Pépito, hein, un tango. Deuxième MV armé au niveau de Léa, en direction de Joe. Les rouges avancés jusqu'à la caserne. Ah, c'est quoi la 20 cartouches? Ouais, une vingtaine. 18 pour être exact. Le temps de tuer 18 américains. C'est ça. On fait exploser le véhicule pour le 20ème. Rico, t'es où? J'étais en train de bouger, j'arrive. Putain, on les a fait souffrir dans cette rue, hein. Ok, vers laissez votre famille, rejoignez-moi. Ok, vas-y, mets-le à couvert. Ouais, ce que je vais faire. Rouge sur la caserne. Après à partir. C'est bon, tu peux descendre. Ouais, okay. Non, mais du coup, je vais intégrer Froggy avec Vert. Okay. Tu restes ici en couverture. Je peux rentrer dans la tour ou pas? Seulement si t'as un visuel sur la rue là. Bon, attends, ouais. Je reste là pour l'instant. Okay. Par contre, pardon. Ok, Vert, vous récupérez Froggy, vous avancez jusqu'à la caserne. Bonjour. Vous êtes quoi, vous? RPG. Je vais ouvrir la marche. Froggy, tu suis, puis Boris, tu fermes. Allez, go. Ok. Ok, vas-y. Donc on a déjà rouge sur place, hein. Ok. Et vers qu'allez-vous sur le mur à l'est là? Américain debout. De bleu pour un coup, vous foncez droit devant sur des Américains. Hein. Non, on en a traité deux, mais c'est pas sûr qu'il en reste pas. Tu voulais dire ici, Mist? Ouais, parfait. Ouais, faites gaffe juste derrière votre mur là, il y a des contacts. J'ai des grenades. Il y en a deux qui ont été traités, mais. Ouais, c'est une idée, Froggy. Ouais, j'aime bien l'idée. Parti. Ah bon, après, je peux pas les balancer très proches non plus. Ah, rouge. On est là, ouais. Venez, venez. C'était pas en arrière. Bon, j'ai entendu personne crier. Ok, vert, vous couvrez tout ce qui va être nord. Rouge, essayez de vous décaler pour avoir un visuel sur la rue. Ok, reçu. Dodo, tu te places. Bleu et. Bleu et blanc, vous passez au compound suivant à l'est, vous sécurisez tout ce qu'il y a autour du minaret là. Bien reçu. Ouais, on y va. Bah oui, si tu prends le nord. Non. Ok, j'ai la rue en enfilade. Bleu et blanc, l'idée est de prendre les bâtiments qui sont juste au nord-ouest de Pépito. C'est bon, vous couvrez bien la rouge. Il y a un ouais, MD armé. Gauche droite, il arrive sur la rue. Te décale pas sur la gauche sur la à rue. Coup. Ok, ouais. Ouais. Blanc de bleu, on est en ordre. Bleu, vous avez pas couvert, c'est pas bien ça. Rapproche. Est-ce que je sors mon RPG? Ouais, mais il est vachement loin là quand même.
Oh putain, okay. Attention, rentrez, rentrez là. On a un homme mort. On a perdu Dranak. Oh, Dranak. Il y a un mitrailleur abattu sur le mid. Qui c'est qui est mort là? Merci. Ouais, envoyez quelques merde. Balles, on sait jamais. Il est Kevin. Ouais, il était mort, je pense. Je pense à mon matériel médical, j'en ai plus. Ah, moi j'en veux. Il faut clear la. Bon bah du coup Froggy t'intègre rouge comme ça Ok. Ça refera des binômes. Salut Froggy. Oh wow. Ok VR, on a du contact au fond là. Ouais. VR essaye d'avancer. Il y a encore un ennemi hostile au fond de la rue. Tu veux qu'on continue à avancer Ouais. Vous avez rouge qui couvre là, essayez de prendre le gros bâtiment qui est devant nous là. J'ai deux contacts qui arrivent dès que nord. Ok ça marche. De ouf, fais gaffe, on va passer. Ok mais t'arrose ou il coule t'arrose ouais, je sais pas. Ouais mais je... un rapport de contact parce que je peux pas tous les avoir, je suis pas assez ventura. On a, on a du contact au nord là. Ouais, pas de soucis, c'est pas grave. On va parler d'un bâtiment. Hop, go 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 go. Froggy, nord, ouais, là, y a un mec qui arrive. Ah, bien, on coupe un côté, c'est bon, on avance. Ok, allez, j'ai pas. Ah, Boris. Attention, j'ai aperçu des contacts sur notre nord. Okay. Merde. Le sud là. Attends, j'ai juste un contact là sur l'avant gauche. Oh l'air, fais gaffe hein. Ouais. Wilco, on a du contact qui se situe sur notre nord là. Si tu peux voir si tu peux les abattre, j'en vois qu'ils sont près du mur de l'aéroport. Il est temps de m'exposer là. Je suis impatient. Ouais, laisse peut-être faire les potes là. Ouais. Ouais, de Wilco, je bouge, je vais essayer de voir ce que je peux faire. La porte sud là. Les rouges en avance, bâtiment de Est. Oh putain! De vert, contact sur l'avant gauche, juste au carrefour. Il y a du contact sur l'est aussi là, sud-est. De bleu, il y a un vide droit devant est. Ok, Boris, j'en ai battu un sud-est. Putain! Putain, je suis blessé! Ah merci, ça c'est contact bien. Contact traité au niveau de l'aéroport. Et merci. Y'en a un qui s'est barré par la droite, Froggy, fais gaffe. Ah mince. On peut avancer ou pas là? On rejoint les autres, on sera plus à couvert. Non, y'a du contact juste devant nous. Sur la droite. Sur la droite y'a du contact aussi. Ah putain, c'est une blague. Non, flingue à deux, là. Je veux juste avancer au prochain quoi. On est en train de se faire contourner, il doit y avoir une escouade sur l'aéroport. Ok, venez par là. Rouge, avance au prochain bâtiment. Je peux pas. On est blessé. Vert, on peut y aller. Gaku, je te suis. Ah putain, mais c'est là l'escalier. Non, montez dans cette putain d'escalier là. Tu veux qu'on monte là-haut? Ok. Avec un peu dur, je suis gravement blessé. Monte là-haut. C'est bon, je suis soigné. Vert, je vous veux sur le toit. Rouge, essayez de couvrir la rue sur le côté nord du bâtiment. Waouh. Wilco, tu me vois? Oh putain, caserne! Caserne? Derrière nous? Ouais, le mec, il est monté à l'échelle là. Sérieux? Ouais. Wilco, on est sur le bâtiment qui est plein est là sur le toit, est-ce que tu peux nous rejoindre? Négatif, je me suis fait prendre la partie là, il y a des gens sur l'aéroport là où il y avait le MV. Ouais, visuel, vert! Plein est, plein ouest. Plein ouest, plein ouest. Ouais, on les a, on va essayer de les engager. Essayez de contourner par le sud, Wilco. Blanc, couvrez votre nord-ouest, il y a des contacts qui sont dans les compounds un peu plus loin. Bleu, essayez d'avancer jusqu'à la route qui est sur votre est là. Plein ouest, j'ai rien moi. Plan nord-ouest, c'est derrière la palissade. Au niveau du MV là, de notre off-road, tu le vois là? Là c'est l'ennemi. Là c'est un méchant. On charge. Je confirme, hein, tout près de là où on a laissé notre technical, Boris. Ah, y'en a un autre. Il est bien le sud aussi là parce que. Je crois que j'en ai traité un, y'en a peut-être d'autres. Sur le coin là, c'est qui? C'est un ennemi? Non, c'est un allié lui. Ok. Oh putain, ça va être compliqué là. Hein. On a vu d'autres plus à droite. Hein. Ok. Ça flingue, mais. Ouais, nickel.
De bleu, on est à la, le bâtiment qui fait l'angle entre la rue à l'est et la rue... Trois contacts abattus sur l'aéroport, je vous rejoins. Ok, bien reçu. Bleu, si vous... J'ai pris une balle. Donc là dessus là, ouais. Si quelqu'un peut me bander le bras gauche. Ouais, je m'en charge. Bleu, est-ce que vous pouvez essayer de couvrir la route qui va entre Rictus et Pépito? Blanc, essayez de rejoindre Bleu pour les couvrir sur leur ouest et est. De Blanc demande quelques... Enfin, pas tout de suite. Hop, t'es bon. Je saigne encore par contre. Encore? Ouais. Il t'en fallait deux? Ouais. De Blanc, on a des contacts nord-ouest, pour l'instant pas de visu, qu'on abandonne la couverture nord-ouest pour rejoindre Bleu parler. Ouais, confirmé, on va se faire encercler de toute façon, on va essayer d'avancer jusqu'à la mosquée. Je suis De Blanc, on est parti. J'ai l'impression que rester sur les toits c'est une connerie. Good to go. Ok, restez là jusqu'à ce que Wilco arrive, dès que Wilco arrive vous redescendez. Ok, ça marche. Bleu de blanc, vous êtes où? Oui, on descend. Ok. Oh, sur blanc, on peut dans un bâtiment qui fait l'angle, c'est dans votre rue à l'est. Putain, je viens de m'en prendre une. Et si vous continuez d'avancer à l'est... Au-dessus, tout au-dessus d'un bâtiment blanc, à l'est. Qui est au 100 là. Ah, c'est quoi le blanc? 100. Ok. Ok. Je passe devant. Vas-y. T'as des jumelles à coup ou un truc du genre? Bleu de blanc, vous avez traversé la rue? Oui, elle est traversée, on est juste tout en haut du bâtiment. On peut pas faire votre progression si vous voulez. Ah, peut-être? Ouais. Attends, je regarde. Sont après notre bâtiment, enfin les ennemis sont après notre bâtiment, donc pour vous c'est clair. Non. Wilco, t'es bientôt sur nous? J'ai vu un mec à nous se faire descendre juste au pied de la caserne. Je sais pas si c'est Wilco. Ah putain. Je crois bien que c'était lui. Bon, couvrez-moi, je vais... Ouais, je crois que c'est lui. Mais est-ce qu'il est mort? Je peux pas te dire d'ici. Non, il est vivant. Il vient de se réveiller. Et oui, on compte sur toi là. Faut attends, je suis au pied de la caserne, je suis blessé, je vais retomber dans les pommes, je pense. Et moi aussi, je suis blessé. Et Wilco, il a rien pour se soigner, il l'avait dit tout à l'heure. Ouais, mais moi non plus, j'ai rien et ça va être la galère. Il y a encore je suis abrité dans la caserne. On peut piquer sur les cadavres et les mettre. Okay, mais il faut piquer sur les cadavres et pour les bandages là, puisqu'on a plus rien. Boris. Ouais. 280 à côté du MV, du off-road, il s'est réveillé. 280? Ouais. Ok. On charge. Il est down? Je vois pas moi d'ici. On dirait. On dirait, ouais. Ah, toi t'as fumé le mec sur le coin là? Parce que le mec sur le coin c'était pas lui, mais c'est pas grave. Non, c'est pas le mec sur le coin, c'était le mec qui était à côté du MV à l'arrière-plan. Oh, il a dû se faire fumer par un ricain alors. Bah si l'autre s'est réveillé... Hein. C'est la chasse aux pixels. Ouais. Bleu, ça se passe comment? On a pris une balle mais on tient. Parfait. Echo toujours en vie? Gravement blessé, je courais un américain. J'aimerais bien aller chercher des bandages là-bas. Des bandages et des cartouches parce que mine de rien finalement. De rouge, on avance un peu sur les toits pour avoir des meilleures visées. Pas mal quoi. Ok, vous éloignez pas du carrefour. Hein. Ah bah okay. Mystery est parti chercher des bandages. Mystery? Ouais. Tu pourras nous ramener des bandages? Aucun bandage sur 3 cadavres d'affilée, ça commence à me... Rejoins-nous PNF, on a des bandages en surplus là. Ouais, attention, hein.
C'est la tâche du bandage, quoi. C'est du survivalisme là qu'on fait, quoi. Ah, j'ai un requin qui court là-bas. Sud-ouest, 240. Le long de la palissade. 240. Deux verres, contact sud-ouest, le long de la palissade de l'aéroport. Hey, tracé l'enculé. Isolé. On essaie d'abattre et économiser les balles, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Wilco, t'es où? Wilco! Et Wilco, je suis en route hein, pour l'instant. Wilson! Wilco, je l'ai vu arriver, mais je sais pas où il est. Tu l'as eu le mec du coup sur le. Non, il a traversé. Ah, le con. Oui, j'ai pas réussi à l'avoir. Il y en a un là-bas. Il est down. De Mystery, de Wilco Mystery, tu peux me donner une position précise s'il te plaît où tu es? Au niveau de l'ancienne MG, qu'on tourne dans les bâtiments qui sont au sud. Vers vous continuez aussi, on se retrouve au niveau de la MG. Ok, on descend. Vers au sud. Alors l'MG elle était où? Ok, visuel. On va passer par derrière plutôt, ce sera plus sûr. Avant que je perde tout mon sang. T'es toujours en train de saigner? Ouais. Non, mais il me reste peut-être un bandage, non, on en avait je trois par dans les bâtiments où vous étiez il y a deux secondes. Essayez de m'en mettre un ouais, sur la jambe gauche encore, alors. On a un bâtiment plus loin. Jambe gauche? Vers, restez en bas du bar là. Jambe droite? Ouais. Ah bah non, j'en ai. Bleu et blanc, progressez sur le bâtiment qui est encore sur votre aile. On est plus en fait. Je suis avec vert là. Okay. Allez, on traverse. C'est bien reçu. Putain, c'est trop con, on peut pas prendre les cartouches de 12-7 là pour le mettre dans le. Mystery, t'es où? T'es en haut? Non, pas là, Mystery? Putain, Mystery est à terre? Quoi? Mais mince, il était là il y a deux secondes. Je m'occupe de lui. Ok, je surveille le sud. Ce toit là est franchement tranquille, les gars. Si ça peut vous rassurer. Merde, il a pas de bandage sur lui, je peux pas le soigner, personne n'a de bandage. J'en ai un seul. Mets-lui à jambe droite, mets-lui à jambe droite. Droite. Putain. Il était censé en avoir récupéré, bordel. Doudou, on a peut-être encore s'il en faut après. Il était lourdement ou légèrement blessé? Non, léger, léger jambe gauche et léger jambe droite. Je vais essayer d'aller en chercher d'autres en arrière, je reviens. Et allez, l'escalier bugué. Doudou. Ça va? Ah, j'en ai trouvé 4, j'arrive. Oh bordel. Le bleu, on a pris la progression à l'est, on a des contacts à notre nord et à notre est. Quelle jambe, quelle jambe? Les pansements. Je te dis ça dans un instant. Pour être sûr. Gauche. Léger. Gauche, putain, ok. J'ai pas eu le temps de prendre la morphine et tout le bordel, il sera juste stabilisé.
C'est toujours ça. T'as beaucoup de transport ouais, Sniper Mystery, il va m'en rester 3. Ok, parce que j'ai deux bras gauche, moi. Ouais, je suis désolé. Je vais essayer d'en chercher d'autres. De toute façon, là, ici, je suis à rien. Et Mystery doit être mort. Vas-y, je te soigne. Deux bras gauche. Ouais. Toi, pendant ce temps-là, sans bouger, check Mystery, voir s'il est bien stabilisé. Mystery, t'es encore en vie? Non, on est en train de le soigner. Donc le plan, c'est on va à la mosquée, choper documents... Bras gauche, bras gauche. Quelqu'un qui a des jumelles, là? Ok, hop, deuxième bras gauche. Ouais, c'est bon pour Mystery. Ok, au moins il est stabilisé. Tiens bon, Mystery, tiens bon. On va te sortir de là. Sans toi, on est rien. Et moi, je vais peut-être enfin pouvoir me soigner aussi. Merde, putain. C'est qui à côté de moi là? Bon, j'ai réussi à revenir, hein. Putain, c'était chaud. C'est pour ça que t'étais pas très loin, hein. Ouais, enfin, t'as vu les squads qui arrivaient sur les records, on m'a donné du fil. On prend des balles là. Pansement. Alors, je m'éloigne de ce truc là, c'est dangereux. T'en as plus toi, Boris, des pansements? Non, j'en ai plus. Contact 250. Ah, feu, feu, hein, on tire, hein. Pas de bon visu, mais lui il me voit. Ah, c'est pour toi, oui, ah bah, coup, si, en fait. 250 dans le champ à gauche des. Ouais, c'est bon, il est mort. J'étais en train de le mettre en visée, mais il était plus rapide. Ah, de Froggy, je me ramène sur toi pour ceux qui avaient besoin de matos médical, j'en ai pas mal. Alors, qui veut quoi? Ok, blanc, vous allez descendre de votre toit et vous sautez sur la terrasse qui est juste à l'est. Le blanc, c'est reçu. Je m'en occupe, j'ai eu matos médical. Bleu, vous couvrez toute la rue là de votre toit. Combien sur ce toit vous l'avez pris? Combien il faut là? Je sais pas, attends, je te dis ça. Jambe droite, mais c'est bon, j'ai plein de matos, je m'en charge. Ok. Il a perdu énormément de sang. On a un médecin ou pas? Non. Là, il va y avoir un problème alors. Parce qu'il a, il a perdu vraiment beaucoup, beaucoup. T'as un visuel pas trop moche d'ici, Wilco? Ouais, RAS pour l'instant dans la rue. J'ai pas mal dégagé de l'aéroport de tout à l'heure. Est-ce qu'il restait des mecs sur l'aéroport qui pourraient nous contourner par l'arrière? Parce que j'en ai abattu quelques-uns, mais je sais pas. Bah, le dernier que j'ai vu, ça veut dire que oui. Parce que j'ai nettoyé, mais bon, j'étais un peu seul. Est-ce que quelqu'un a besoin de morphine? J'en ai quelques-unes. Genre. Non, j'ai chopé deux morphines et trois bandages, moi, c'est bon. Bleu, vous êtes toujours sur le toit, là? Je vous vois plus. Bleu, on est avec blanc. Ah, vous avez demandé de rester là. Bah du coup, bleu, passez sur le bâtiment suivant, vous montez sur le toit. Blanc, ne prenez pas de risque, mourrez pas bêtement. Enfin, il est encore... Ouais, il est stabilisé, mais voilà. Il a besoin de transfusion. Enfin, ça va refaire le même coup que l'autre jour. Hein. Non. Alors, portez. Non. Oh non, Wilco qui vient de mourir, enfin qui vient de se prendre l'expérience. Sur un moment de blanc, vous pouvez répéter le dernier ordre. Wilco, c'est pas l'acrobate. Il n'y a pas beaucoup de bandages. Vous avez bien pris. De bleu, bâtiment clear et en opposition. Oh, il est en miettes. Ok, couvrez bien la rue là, surtout. J'ai pas assez de bandages, bon. Je crois. Attends, fais, il faut faire quoi? Jambe droite, jambe gauche. Jambe droite. Attends, non, je suis déjà sur la droite. Ça tombe bien, j'ai cliqué sur gauche. Merde, j'ai cliqué sur bras gauche, moi, putain, quel con. Alors. Audio véhicule, probablement est. Jambe gauche. Et bien reçu. Il fait l'acrobate. Il en met un deuxième sur la jambe droite. Il était très lourdement blessé. Ah, Wilco, tu peux te bander? Il est retombé dans les pommes. C'est une blague. Il a perdu énormément de sang. Je veux pas faire une mission coma. Je veux pas faire une mission coma. Ah, merci, Yaku.
pas encore ah ouais, les deux jambes. J'ai plus de bandages. Qui a des bandages? Je m'en charge. Okay. Bon, j'ai encore ce qu'il faut. Non mais qui essaie de mourir là? Doudou, tu oui. descends par l'escalier devant là. Vas-y, c'est descends bon. Dans l'escalier. Akou, t'es rouge? Non, c'est qui le deuxième rouge? Mais moi. Froggy. Froggy. Ok, Froggy, tu continues de soigner. Vert, venez avec moi. On est pin down pour l'instant, sur le toit. Comment ça pin down? Ok, je sais pas, je me sens tout bizarre. Je vais te suivre si jamais tu tombes dans les pommes. Ouais. Je pourrais pas faire grand chose pour toi à part te trimballer. Laisse-moi crever. Allez, Vert, venez, on se dépêche. Je sens plus mes jambes. Blanc de bleu, nous on voit rien sur notre position, donc ça va être un peu tendu. Non, non, mais on s'est pris des balles, j'ai pris une balle, Wolverine s'est pris une balle également, donc certainement sniper, tir de sniper non localisé. Bien reçu. J'ai foi en vous, chef. Vert, allez vous caler sur le mur là-bas, là. Essayez de couvrir ce maximum. Allez, go. À blanc, c'est quoi votre position exactement? De blanc, on est descendu de la terrasse, on est juste en dessous, en fait, dans le bâtiment. De Froggy, Wilco stabilisé, mais voilà, stabilisé. De Wolverine, je suis encore en haut, je me soigne. Ouais, nickel. Ok, Froggy, essaie de descendre en Wilco. Quoi? Descends Wilco du bâtiment. Là. Tu prends sur tes épaules. Si je vais le chercher, je risque de me prendre le même bug que lui. Ah, ok. Validé, bah tu rejoins Doudou qui est en dessous là. Si je m'effondre, fais pas de folie pour moi. Tu penses? Ouais, je suis encore à l'étage, je me soigne. Wilco vient de se réveiller et de retomber dans les pommes sous mes yeux. Ah, Wilco il va faire une mission coma. Je le laisse là, je fais quoi? Attends, il est stabilisé. Il peut pas perdre plus de sang que maintenant, mais il en a, il doit avoir quelques millilitres. Et personne n'a de poche de sang, je suppose. Non. Non. Ah non, poche de sang, c'est... Ça n'existe pas chez nous. R négatif. On va laisser la Froggy, on va noter la position, on essaie de trouver des poches de sang, mais je suis même pas sûr qu'on puisse les utiliser. Oh, américain, en face. 65, 65. Deux bâtiments après là-bas. Là où je tire rare. Je vois tout gris. Ah putain, c'est une blague. Ah putain, un bleu, ils sont beaucoup mieux placés que nous pour courir là. J'ai l'impression, ouais. Beaucoup mieux placés que nous pour mourir aussi. Ouais, c'est bon, on arrête de... Il y avait un leader. Ça crame, ça y est, tu vois, c'est trop calme. J'écoute. Bleus sont beaucoup mieux placés que nous pour courir. On voit, effectivement. Ok, attendez, j'aimerais que Rouge nous rejoigne là. Par contre, on a vu un contact au nord-est du le campement de nord-est de Blanc. Ouais, on essaie de couvrir là, j'ai Blanc qui s'est défoncé là. C'est Blanc, mais attends, mais Blanc est... Garde le mec en visu, garde le mec en visu qu'on a vu là. Pas sûr qu'il soit de tomber. Mais garde le mec, garde. Support, mais je sais pas où ils le veulent, en fait. Garde ton car, moi je m'occupe du. Rouge, votre objectif est de rejoindre nos VR qui est là sur votre nord-est. Je crois qu'ils veulent du... Au nord-ouest. Là où il y a la fumée. Après la fumée. Sur ton nord-est, okay. Moi je couvre le sud-est. Concentre-toi juste là-dessus. Et si on commence à bouger partout, en fait, on regarde nulle part. Ouais, non, c'est sûr, mais... Oui, nous en... Bah, c'est le chef. Les gars, c'est qui en bas? C'est Akou et... Bon, pas coup. T'es vert. Ok, ça va et bien pour vous? Ouais, c'est bon. Ok, nickel. On est sur vert. Si, mais le mien.
Préparez des bandages. Encore. J'en ai 4. Blancs, ils sont juste derrière nous. Non, non, ils sont pas morts, mais... Putain, à force de tailler dans mon gel là-bas, j'ai fini avec une mini-jupe, moi. Couvre, doudou, je me chargerai de les soigner. Y'a rien à signaler, là. J'ai des bandages. Vas-y. Où ça? Bras gauche, je crois. Non. Il est asthmate et puis il a plus goût. Ouais, ça peut passer. On peut pas appeler le Medevac, là? Oh putain. Le Medevac quoi? Le Medevac. Le Medevac, c'est 70 bières, je crois. Ouais, ça passe. Il faut mettre aussi. Oui, c'est dit. J'ai bien tiré, hein, donc... Ouais, j'ai failli le voir, le Medevac. On m'en a empêché. On m'a dit reviens voir le monde en gris. Pour moi on n'est pas vert, bleu, rouge, on est tous blancs. Vert, essayez de sauter au bâtiment qui est sur notre 120 là, qui fait l'angle là, devant la statue. Ok, okay. Parti. J'ouvre à droite. Ok, je rentre à gauche. Ok, je rentre. On va au premier, mais on va pas sur le toit, c'est trop chaud le toit. Risqué, ouais. Avec les Américains en face. Il est en place. Point 50 au bout de la rue, attention, au 120. Ok. Faut se méfier si elle nous voit. Attention, mitrailleuse fixe 120 au bout de la rue. Possibilité d'abattre. Ça peut se tenter. Tu peux te mettre dessus, Boris? Ouais, je sens que tu vas la tenter. Avec la vitre. Je vais te donner une distance. La vitre va faire chier, non? Je te dirais 250 mètres. Non, non, tu déploies et puis ça devrait être bon. 250 mètres. Pas déployer. Merde. Faire comme ça, je pense. Ouais, en fait, ça va être un petit peu chaud. On n'est pas sûr de l'avoir du premier coup. Pour essayer de monter au toit, mais... Bleu, vous nous rejoignez, on est un petit peu sur votre nord-est. Bien compris. Tu veux ramper sur le toit? Ou tu veux pas le risquer? On peut essayer. C'est quoi la cible, Mystery? C'est quoi, Yann? Essaye de ramper sur le toit, voir si tu peux déployer. Essaye de nous déployer là. Si ça chauffe, tu t'allonges, hein. Ah putain, y'a le panneau devant, là. Ok, je l'ai. 200, tu dis? 250 mètres environ. C'est pas une... Je cache au nord-ouest du bâtiment, les c'est gars. C'est bon. Nickel. Mitrailleuse lourde traitée. Ah, ok, parfait. Robert, restez là-haut. Bleu et rouge, on se regroupe derrière. Là. Du bon boulot. Où est la rue de là où t'étais? Ouais. Fais gaffe, ça tire. Ouais. Je crois que je vais rentrer parce que je sais pas d'où ça tirait. Et comme j'ai plus envie de crever. Ça vient de la rue. Ouais, je dirais que ça vient du sud, pas toi. Ah ouais, tu dirais que ça vient de la rue, toi? Ouais, y'a un mec, j'ai vu un mec côté gauche sur le trottoir gauche. Il est jeté entre deux bâtiments. Ezia, c'est des ninjas hein, maintenant. Ouais. Je l'ai prouvé dans une vidéo. Pour le shopping, peut-être du. Oh. Ne montez pas, montez pas, montez pas, il y a une mitrailleuse. Nord-est. Sandman mort. On a un contact sur notre sud-est du bâtiment là, juste après le carrefour. Oh, il est down. Merde, j'ai pas eu le temps de le voir. Le bâtiment qui est sur notre est, là, derrière la statue, il y a un mec qui est dedans. Ou derrière, il va peut-être... Qui est dedans? Ouais, il va peut-être passer sur la droite, sur la route, il y est. Voilà, c'est bon, la mitrailleuse, elle est calmée. C'est bon. Beaucoup. Nickel, ouais. Doudou. Peut-être dessus, quoi. Ouais, je t'écoute.